du ministère, la compassion des âmes. Le guide du ministère, la confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Le premier responsable aussi du centre pénal des aéroports et du cabinet des courses de délivrance des tribunaux. Bien-aimés, sous vos acclamations, j'ai l'honneur de vous présenter le président. Ta parole pour l'accomplir et l'exécuter. Nous voulons saluer ta présence et nous savons que tu es tellement réel. Merci de nous guérir, merci de nous délivrer, merci de nous restaurer. Merci et c'est en ton nom que nous disons Amen. Dis Amen.
quelqu'un Jésus est Seigneur. Dis à quelqu'un Jésus est Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un Jésus est Seigneur. Dis à quelqu'un Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dis à quelqu'un. Alléluia. Le diable te fatigue et vaincu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. La victoire de Jésus. Qui croit la puissance de Dieu? Alléluia. J'ai quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Satan est écrasé au nom de Jésus. Dieu fera quelque chose de très merveilleux pour toi cette nuit. Qui les accompliront jamais. Il a déclaré des choses qui n'ont pas de l'accomplissement. Parce que ton Dieu est Dieu. Parce que Jésus est Seigneur. Il produit des pieds que l'on n'y a pas. Mais cette parole est accomplie dans ta vie. Jésus est ressuscité. Dis amen. Jésus est ressuscité.
dans mon cœur. Et nous savons que la vérité triomphe toujours du mensonge. Le menteur. Ce qu'il a décidé n'arrivera pas au nom de Jésus. Qui je reçois au nom de Jésus. Ce qu'il a décidé n'arrivera pas au nom de Jésus. Ce qu'il a décidé n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Cette nuit, nous allons parler aux petits sorciers. Il faut qu'on parle aussi. Tu vas t'adresser aux sorciers. Tu es. Tu vas lui montrer ta place. Amen. 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 Nous allons parler à la maladie. Tu vas parler au chômage. Tu vas parler au célibat. Tu vas parler à la stérilité. Toutes ces choses ont été vécues à la croix. Amen. Amen. Jésus a tout vécu à la croix. Il t'a libéré à la croix. Quand tu vas parler au chômage, Satan c'est un menteur. Dis amen. 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 S'il y a quelqu'un qui doit être béni, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Parce que tu ne crois pas que les sorciers t'amènent. Amen. Amen. C'est là où il y a sûr qu'on va mieux. C'est comme ça. C'est parce que tu es important que maintenant, le bon. Et tu l'as quitté, je suis malade. C'est pas que tu es important. Amen. Amen. Mais ce qu'ils ont décidé n'est arrivé à Romain. Je suis l'attaque. Et tu rentreras dans ta destinée. Amen. 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 S'il y a quelqu'un qui doit avoir l'argent, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit avoir la longévité, c'est moi. Amen. Amen. Satan est menteur. Amen. Amen. Pendant que Satan parle, il dit, c'est normal que tu m'attaques. Tu ne prendras pas le dessus. Mais ne comprends pas que tu la chose. C'est moi qui va te marrer. Amen. Celui qui te maudit est maudit. Celui qui te bénit est béni. Qui a intérêt à proposer à toi? Il faut qu'il te respecte. Nous allons parler aux petits sorciers. Je vais rester tranquille. Cette nuit, c'est fait parole. Mais le blé arrive à 4, Dieu lui dit va. Va, c'est mon fils, mais la loi, c'est un quelque chose. Amen. 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 La nuit, on va parler. Chacun va parler. Oh, et la nuit, je suis malade. Tu vas parler à l'autre. Je suis malade. Et il va parler à la maladie. Jésus a vaincu la maladie. Amen. Amen. C'est quand tu es attaqué, tu vois la gloire de Dieu. Oui, c'est quand le diable t'attaque, Dieu te met le corps, il est le roi de Dieu. Quel petit sorcier qui est venu à Divo, vous appelez le dirigeant de les prêcher, et ça le dit. Il m'a fait. Le diable est tombé. Oh oui.
bénédiction de Dieu existe en Jésus pour que tu ne parles la terre. Je lui ai dit, je sais qui je représente. Et il y a moi, il fait le bon. La vérité. On m'a envoyé. Voilà. Sur mon territoire. Amen. Tu as vu? Il y a des fêtes. Et un prix. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Et nous faisons quoi? C'est pas une question de transo. Tu n'es pas n'importe qui. Pas de sorcier, vous tremblez. Vous avez des sorciers de mon village. Vous avez des sorciers. Tu vas parler aux sorciers. Tu ne veux pas. Il me dit ça. Amen. J'ai dit au diable, je ne veux pas, je t'empêche pas de parler. Et il y en a pas. Mais c'est parole comme parole. Mais quand il parle, quand il a commencé à parler, toi tu vas fuir. Moi, je vais. Parce qu'il y a le pouvoir de te chasser. Toi, tu viens, tu parles au moins. Dieu est Dieu. Amen. Le diable, c'est un menteur. Il doit parler. On m'a appelé un jour le prophète, ils ont besoin de toi l'appeler. C'est pourquoi? Ah, tu as besoin de faire une émission. Vous savez, les gens ont enquêté sur nous. Pendant que nous sommes là, il y a des gens qui viennent. Il y a maintenant des polices, il y a la Belgique, il y a le travail, tout ça. Il a renouvelé. Même sur le net, tout ça, les gens regardent. C'est un papa qui va bien. Et puis ils ont vu qu'on est dans l'hiver. Oui, il y en a un. Mais nous sommes dans l'hiver. La vérité triomphe. Non, mais. Donc, on m'appelle, on dit tu vas faire une émission télé pour deux heures du temps. Personne et comment tu vas faire connaître ton ministère à toi, du monde entier. Et quand on a. Nous reconnaissons ton ministère. Oui. Amen. 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 La vérité. Non, elle est toujours du mensonge. Est-ce qu'il y a c'est pour cela qu'il faut croire que tu es continué. Mais si on commence à parler sur toi, laisse Dieu te justifier. Laisse Dieu te donner la raison. Il y aura beaucoup de bouches qui vont parler. Mais le jour tu vas se lever, tu vas perdre tout ce que tu sais. On a donné les instructions pour filmer ton entrée à la télé. Comment tu vas rentrer? Un peu il va filmer parce que tu es une autorité de marque. Et le travail, il dit non, c'est pas n'importe qui. Ce que tu as, c'est bon. C'est ce qu'on appelle le don de Dieu. Ça ne doit pas être caché. Et il est toujours bon. Je dis Amen.
Non, mais c'est que Dieu va pas quitter ma vie. J'ai appelé la vie à vivre. Moi, je suis convaincu puisque vous. Amen. Parce que Dieu et moi, on s'est dit des choses. Tu peux dire des choses sur moi. Et nous, on ne peut pas parler. Et nous, on ne peut pas parler. Mais quand on a eu la chose, parce que je sais ce que Jésus m'a dit. Et je dis, je ne suis pas comme toi. Et nous, on est là. Donc, tu m'as parlé, je veux. C'est quand ça m'a invité à la télé. Je suis allé m'asseoir. Et même pas parler. Désormais, en 2015, je suis à 2 semaines et cela sur la télévision pour parler à la Côte d'Ivoire. Là, 2 heures d'émission en train de parler. Je leur ai dit, je serais content quand vous allez envoyer un sorcier sur un tableau. Ce soir, il y a 2 ministres qui m'ont appelé. Je ne décrochais pas, m'envoyer des messages. Il m'a dit, je ne savais pas que tu étais comme ça. Parce que j'ai un diplomate riche. Et ça lui m'a demandé, elle ne fait que parler de toi son mari. Et son mari est mon ami. Et des gens qui dit que le prophète l'a sourdon. Ce monsieur-là, c'est qui? On est allé à la télé. On est allé sur le YouTube. Il y a un monsieur comme ça, quoi, du coup. Il m'appelle, je ne décroche pas, maman, c'est ça. Il dit son nom. Il dit, tu as rendez-vous à moi. Ça, je vais le mettre à genoux. Tu as mis en toi la caméra à genoux. Amen. C'est comme ça la vérité du Dieu du monde. Allez chercher à mettre la en prison. Allez parler. Vous voulez manger, venez. Alors, elle dit, aïe. Je vous attends. Elle dit, aïe, aïe, aïe. Venez manger. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes en carême forcée. Alors, je dis que. Si tu es forcée, tu es obligé de faire carême. Non, ça, c'est pas une question de nous. Tu es obligé de faire carême. Parce que tout le monde est choubouillé, empoisonné. La chute a touché des têtes. C'est qui ça a fait? Tu n'auras pas. Tu seras pas une direction jusqu'à la réponse. Va manger. Mais ça va, ça juste Mais non, le pauvre, le père, quel est le n'est pas nous manger. Allez. On est mangé pour nous manger 2 fois. Vous les voyez en érection, à boutique. Allez, voyez, les allez. Vous va manger. C'est votre traite, non? Vous êtes janvier. C'est votre traite, non? Mais allez, allez, attends un moment. Essayez. Amen. Nous, on s'en va. Vous lui parlez, non, continuez. C'était une question de Zaroko qui parlait. Zaroko, c'est le nid pour le Côte d'Ivoire.